Good morning, Aleiden, la tutra aujourd'hui est le Lunishmat, Avraham, Chai, Norbert, Ben, Fortuné, Mazal, Chaya, Bat, Tova, et Rachamim, Ben, Rosa. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Misha, côté 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Bechorot, Perik, Vav, Mishnatet, Maase, Shalechi, Atarton, Odef, Alaïlion, Meshalach, Rabban, Shimon, Ben, Gamliel, Lachachamim, Vamru, Arei, Zemum, Ozen, Agdi, Shaita, Kfula. אמרו חכמים בזמן שהיא עצם אחד, מום. וממנה עצם אחד, אין המום. רבי חנניה בן גמליאל אומר, זנב הגדי שהיא דומה לשן חזיר, ושאין בה שלוש חוליות, הרי זה מום. חבר פרצי למשנה, on se rapporte à ce qu'on a appris dans la mishnah précédente avec l'histoire du mouton qui a une bouche qui ressemble à celle d'un cochon. D'abord, je voulais réintroduire de nouveau. On parle dans le Perek Vav de tous les défauts qui invalident un animal à monter sur le Mispéach. L'animal qui monte sur le Mispéach, il doit être parfaitement parfait physiquement, il n'a aucun défaut, aucune anomalie. Et bien, donc, du coup, on énumère dans la Mishnah toutes sortes de choses pour lesquelles on considère que l'animal est devenu inapte à monter sur le Mispéach, même s'il reste caché à la consommation. Et en l'occurrence, pour le Bechor, ça nous permettra donc de le manger dès qu'il aura eu ce défaut. D'accord ? Maintenant, on avait appris dans la mission précédente qu'une bouche comme celle d'un cochon invalide le corban. C'est quoi une bouche comme celle d'un cochon ? C'est qu'apparemment le cochon, je ne sais pas, je l'ai pas tellement regardé dans le blanc des yeux, mais en tout cas, apparemment il a la bouche, la lèvre supérieure qui descend sur la bouche, sur la lèvre inférieure. D'accord ? Il a une sorte de. Un petit menton qui rentre en fait sous une grosse. D'accord ? Sous une grosse lèvre inférieure. Ça, c'est le mouton. C'est le chazir. Maintenant, on avait appris une marloquette dans la mishnah précédente, à savoir, est-ce qu'une telle bouche, ça invalide le Bechor, donc, marloquette, il a, et Chachamim, qui n'avait pas de tradition, et puis finalement, Chachamim, qui ont admis, malgré tout, ce qu'il a dit, là. Et maintenant, la mishnah m'enseigne qu'il y a eu l'histoire contraire qui s'est passée une fois. Maase shalechi atarton odef alayon. Il y a eu une fois où il y a eu, au contraire, le lechi tarton, la mâchoire inférieure, qui était plus grande que la mâchoire supérieure. C'est-à-dire, à la place, dans la mâchoire précédente, on parlait qu'il y avait la lèvre supérieure qui redescendait au-dessus de l'inférieure. Là, maintenant, c'est qu'il avait le menton en avant, comme ça. Et donc, du coup, c'était ça qui est en avant. Et ça, et donc, ils avaient la mâchoire inférieure qui dépassait, qui était plus grande que la supérieure. Et là, ils se sont posé la question, est-ce que sur ça aussi, il y a la marloquette entre Ila et Chachamim ? Et sur ça, donc, Veshalach Rabban Gamliel la Chachamim. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il a envoyé la question au Chachamim. Ben moi, ils ont répondu que non, Arezemum, ça c'est sûr que c'est un défaut. C'est-à-dire, la lèvre inférieure qui avance de trop, c'est sûr que c'est un défaut. La lèvre supérieure, c'est sur ça qu'il y avait une discussion. Maintenant, précision importante du Barthénora, si vous faites attention, on est chez le mot Lechi. On n'a pas parlé de lèvre, on a parlé de Lechi, de mâchoire. Ou je sais pas comment c'est, la mâchoire supérieure, ouais. On n'a pas parlé de mâchoire. On n'a pas parlé de lèvres, on a parlé de mâchoire. Et le Barthénora nous précise qu'attention, tout ce qu'on a parlé pour la bouche, comme du chazir, ou la bouche où il y a la mâchoire inférieure, c'est uniquement lorsque la partie qui remonte ou qui va recouvrir, c'est uniquement quand c'est toute la mâchoire qui est décalée. Mais si c'est juste qu'il avait une lèvre trop grande, qui était plus gonflée, et bien dans ce cas-là, ça n'invalide pas pour les animaux, ça invalidera pour les hommes. On apprendra que pour les coanimes aussi, ils doivent être parfaitement, physiquement parfaits. On apprendra, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour le moment, pour les animaux, ça n'invalide pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on a parlé, c'est que quand il y a des mâchoires qui sont en décalage, mais pas lorsqu'il y a simplement une lèvre plus grosse. On continue maintenant. Ozen agdi shaita kfula. Je traduis littéralement, j'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble, toutes ces mutations un peu originales. Mais en tout cas, on parle du ozen agdi, d'une oreille du. De la chèvre, Shaita Kfula, qui était double, il avait deux oreilles à la place d'une, qui était une dans l'autre apparemment. Amorou, Chachamim ont tranché sur ce sujet, que Bisman Shehi Etzem Echad, boum, dans le cas où elle est littéralement un seul os, c'est-à-dire un seul cartilage, c'est-à-dire tel que Barthénora l'explique, j'ai pas tellement compris la scène, quoi, comment c'est, mais en tout cas, c'est que le cartilage de l'oreille externe se racole à l'interne. Ça signifie qu'en fait, quand même, il se retrouve avec on dirait qu'il a un casque de musique sur les oreilles, parce qu'en fait, il a les deux oreilles qui se relient, en fait.
Alors dans ce cas-là, c'est un mum, c'est un défaut. Mais par contre, veim ena et samichad, mais si c'est pas un seul os, si c'est pas relié, mais qu'il y a réellement une oreille avec à l'intérieur de ça, une deuxième oreille, ouais, le mec il a une ouïe, enfin le mouton il a une super ouïe, quoi, il entend très bien, il a deux oreilles pour mieux entendre, donc il a deux capteurs. Veim ena et samichad, donc c'est pas un seul os, ils sont pas reliés ensemble, il y en a un dans l'autre, mais sans que ce soit relié. Alors là, cette fois-ci, un mum, ce n'est pas un défaut. Et comme je vous ai dit, je ne comprends pas, j'ai du mal à imaginer, mais cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, parce que même le Bar Tanoura, il nous dit « Vetahama loïk paresh ». Il n'y a pas eu de raison pourquoi c'est comme ça. D'accord, on a du mal à imaginer la scène, on a du mal à imaginer quelles sont les motivations, pourquoi ça oui, ça non. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus bizarre que d'avoir deux oreilles? Eh bien non, ça ne s'est pas considéré comme un défaut, tandis que si c'est collé, c'est un défaut, je ne sais pas. En tout cas, Tanoura, il se prend la tête, Rabbi Akiva Eger, il se prend encore plus la tête. Il se casse la tête sur ça, il y a un grave problème, parce qu'on a quand même une règle, de manière générale, c'est bon à savoir quand même, que tout membre en trop, c'est considéré qu'il en manquait un. Ils ont déjà parlé de ça dans la Mishnah, on n'avait pas parlé dans la Mishnah. Zayin, lorsqu'il y a 5 pattes, avoir 3 pattes sur le manger, on considère alchiquement qu'il n'y en a qu'une seule. Tout ce qui est une de plus, ça fait une de moins. Lorsqu'on a deux places à la place d'une, deux pattes à la place d'une, et ben ça fait qu'il n'y en a plus aucune. D'accord ? C'est une règle. On se retrouve ça dans l'Ilkhot Tréfar, on en parle dans Khoulin. Et dans ce cas-là, il se pose la question, il dit, mais là, si tu as deux oreilles, alors deux oreilles, ça fait qu'il n'y a plus aucune oreille. Donc il n'y a plus d'oreilles. Si un animal sans oreille, c'est un moum. Et bon, ça, c'est, ils sont mes palpélimes sur ça. Il y a de quoi approfondir. C'est des sujets que j'ai pas tellement étudiés dans ma vie, quoi. Donc je peux que rapporter ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert avec le Rambam un peu, et voilà. Et on continue. En tout cas, le partenaire explique que c'est pas comme les 5 pattes, parce que cette fois-ci, c'est une oreille à l'intérieur d'une oreille. Celle qui est à l'intérieur, on la voit moins. Donc ça fait moins défaut physiquement. On prend la donnée telle quelle et on avance. Vemana et Samechad, donc un amour. On continue. Rabchanina ben Gamliel Omer, Zana Vagdi, Shidoma le Shalchazir. Rabchanina ben Gamliel, maintenant il parle d'un nouveau sujet. Donc ça fait 3 sujets. Première partie, c'était l'histoire avec le mâchoire inférieur, supérieur. Deuxième partie, c'était l'histoire avec l'oreille à l'intérieur de l'oreille. Troisième partie de la Mishnah maintenant, troisième sujet, c'est le Zana Vagdi, la queue de la chèvre. Shidoma le Shalchazir, qui ressemble à celle d'un chazir. Est-ce que c'est parce qu'elle est en tire-bouchon? Probablement. Elle tourne sur elle-même, j'imagine. Et comme ça, elle explique que Bartanor a Agula, Kezana Vachazira, qu'elle est ronde. Et deuxième cas de figure, encore de défaut dans la queue, qui est Veshenla Shalosh Chouliot, et qui n'a pas 3 phalanges. Il y a des os dans la queue. D'accord? C'est pas juste un bout, c'est pas juste un muscle. Il y a dedans des os, un cartilage, des articulations. Ils peuvent l'organiser au moins dans une partie jusqu'à cas. C'est-à-dire au moins dans le début de la queue, puis après la deuxième partie, elle est plus souple en tout cas. Mais, donc la Mishnah m'enseigne que s'il va y avoir une queue, alors tel que ça a l'air d'être apporté, ça se rapporte, on dirait que ça se rapporte sur un gdi, sur une chèvre, mais le Bar Tanoura nous dit non, c'est pas ça. On parle, cette fois-ci, on va parler d'un mouton. Parce que dans une chèvre, ce sera différent. Dans un mouton, il faut qu'il y ait 3 phalanges. S'il n'y a que 2 phalanges, c'est un défaut. Et le Bar Tanoura nous précise que si dans une chèvre, il faut qu'il y en ait 2, et s'il y en a moins que 2, il n'y en a plus qu'une, eh bien, alors ce sera là le défaut, d'accord ? Le chêne bachaloche rouliot, donc il n'a pas 3 phalanges, un reizemum, ce sera un défaut. Ce sera considéré comme un défaut. Et le Bar Tanoura nous dit que la halakha est fixée aussi comme ce Rabbi Hanina. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'aslacha, kol tov, salam.